بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفع وضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهة النخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم Cours de français présenté par Monsieur Aujourd'hui, nous sommes le lundi 11 février 2019. Programme de cinquième année primaire. Livre de lecture, page 61. Page 61. La chèvre de Monsieur Seguin. Lis l'histoire suivante. Lis l'histoire suivante. Elle n'est pas finie. Imagine la suite en écrivant deux ou trois phrases pour dire ce qui s'est passé entre la chèvre et le loup. Monsieur Seguin avait une chèvre. Elle s'appelait Blanquette. Elle vivait avec son maître. Un jour, en regardant par la fenêtre, elle voit la montagne, l'herbe et les fleurs. Comme on doit être bien là-haut dans la montagne, se dit-elle. Quel plaisir de courir et de brouter l'herbe fraîche. Quand Monsieur Seguin arrive, elle lui dit, écoutez, monsieur Seguin, je m'ennuie ici, laissez-moi aller dans la montagne. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a, mais tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne, répond monsieur Seguin. Que feras-tu quand il viendra eh bien, je lui donnerai des coups de corne. Monsieur Seguin décide de l'enfermer dans l'étable. Blanquette se sauve par la fenêtre. Dans la montagne, elle est heureuse. Elle gambade au milieu des arbres. Pendant toute la journée, elle s'amuse comme une folle au milieu des fleurs. Soudain, à la tombée de la nuit, elle entend derrière elle un bruit. Elle se retourne et voit deux oreilles courtes et deux yeux luisants. C'est le loup. J'écris l'histoire, la, la suite de l'histoire. Production écrite. Toute la nuit, la chèvre se bat courageusement contre le loup. Au lever du jour, Blanquette succombe à ses blessures et tombe sur le sol. Alors, le loup se jette sur elle et la dévore. Je relis et je corrige mon paragraphe. Le premier point. J'ai écrit deux phrases pour dire ce qui s'est passé. J'ai écrit deux phrases pour dire ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est le combat toute la nuit entre le loup et la chèvre. Ce qui s'est passé, au lever du jour, Blanquette tombe, succombe à ses blessures et ne résiste plus. 2. J'ai écrit une phrase pour la fin de l'histoire. Voici la phrase de la fin de l'histoire. Alors, le loup se jette sur elle. Et la dévore. Troisième point. J'ai utilisé l'articulateur qui convient. Voici l'articulateur qui convient. Alors, à ce moment-là, à cet instant-là, enfin, le dernier point, le quatrième et dernier point, j'ai mis les verbes au présent. La chèvre se bat. Le verbe se battre du troisième groupe conjugué au présent. Blanquette succombe. C'est le verbe succomber du premier groupe conjugué au présent. La chèvre tombe. C'est le verbe tomber du premier groupe conjugué au présent. Le loup se jette sur elle. C'est le verbe se jeter conjugué au présent. Il la dévore, c'est le verbe dévorer du premier groupe conjugué au présent de l'indicatif. Alhamdulillah